Et bonsoir à tous, c'est Rio. Et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du Let's Play D. Plutôt dire bonsoir. C'est vrai que j'ai pas encore pris l'habitude. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc là, vous pouvez voir que je me suis un peu entraîné en off. Je me suis un peu entraîné en off. Donc là, on va essayer de mettre le 1. Je me concentre un peu. Yes! J'ai réussi, premier coup. Alors ça, on est bien parti là. Je crois qu'on est très très bien parti. Avec une bague. Intéressant. Donc, je rappelle, des sorties en 94-95 sur 3DO, nous sommes sur 3DO. Les sorties également sur PlayStation et sur Saturn, Sega Saturn. Je rappelle aussi qu'il faut vous mettre dans des bonnes conditions pour regarder cette vidéo, donc, c'est-à-dire lumière éteinte, ou un peu une petite lumière si vous voulez, volet fermé, voilà quoi, casque sur les oreilles. Le son assez fort, pas au max bien sûr, mais assez fort. Voilà, là vous serez dans les bonnes conditions. Et bien sûr, la nuit de préférence. La nuit de préférence. Je rappelle également que ce let's play que je vous propose est un let's play immersion. Donc j'espère que vous prendrez part pardon, à cette immersion. C'est vraiment expérience que je vais vous faire vivre et pas simplement une découverte d'un jeu lambda pardon. Alors du coup je vais me régler un petit truc, hop c'est parti. Alors du coup maintenant il faut retourner à la porte pour pouvoir utiliser la bague. Non, comment c'est pas mal foutu les chandeliers là. Franchement, moi j'aime beaucoup que ce soit les décors, je trouve ça vraiment bien fait. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, enfin, j'ai sûrement répété au fil des vidéos, mais pour vous ça peut être trop gros problème vu que vous n'aurez pas les vidéos à suivre le même jour, mais espacées de quelques jours. Ouais, en fait l'ambiance est clairement malsaine. Malsaine, on est. Il y a un peu de gore, ça fout les jetons. Enfin, voilà, la mise en scène est là, quoi. Je me lasserai jamais de ces bruits de pas. C'est juste super bien foutu. Alors là, il faut utiliser la bague. Un peu lourd pour toi, ma grande. Un peu lourd à pousser. Hein. Donc nous voici dans une nouvelle pièce. Donc on a l'impression d'être descendu 30 étages. Juste hallucinant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc
80, donc il faut pas mal fouiller. Donc là, on est dans la chambre d'enfant. Chambre d'enfant. Les décors sont vraiment donnés dans un ton, non, dans un ton plutôt sombre. Enfin, c'est. Vous allez vraiment avoir des pièces colorées, funny. Puis celle-là, les compagnies, quoi. Alors, là, regardez. Ça, c'est censé nous donner un indice. Pas facile, hein. Je vous le remets. Fait, voilà, ce sont les animaux. On a vu une fraction de seconde qu'il faut aller voir. Puis il va falloir replacer. Alors pour ceux qui se demandent hein, le bruit sonore là, qu'on a, est-ce qu'on va l'avoir toute l'aventure? Eh bien oui. Tout simplement car je vous l'ai dit, on n'a pas de musique officielle durant le jeu, on a simplement des. Enfin, si, des musiques. Une ambiance sonore qui va apparaître à certains moments du jeu. Mais sinon, voilà, c'est simplement le bruit que vous entendez, l'espèce de bourdonnement, c'est vraiment le jeu, quoi. Comme ça. Alors je vais vérifier, enfin je vais ouvrir la porte parce qu'en fait la porte normalement est bloquée. Nous sommes bloqués. C'est bien ça. Voilà, une nouvelle pièce. Alors je rappelle que aussi que le jeu a été conçu par Kenji Eno, donc personne que je respecte beaucoup, que je respecte beaucoup, je respecte beaucoup son travail. Ah, il me semble qu'on a quelque chose. Deuxième carabée. Cette scène quand même. Hein. donc je vais vous parler un peu des scarabées. On a 4 scarabées à récupérer, donc on en a récupéré déjà 2. Et en fait, ces scarabées nous permettent de visionner des fragments d'un souvenir de Laura, d'un souvenir enfoui dont on aura la conclusion finale à la fin du jeu. Et en fait, donc c'est un souvenir profond. Et ça paraît assez gore. En tout cas, la mise en scène, moi, j'aime beaucoup. Attendez, on peut passer là. Ah, je crois qu'il y avait une clé, non, pour ici. Thank you.
cadavres dans ce manoir, vous trouvez pas? Beaucoup de cadavres, ouais. Donc là, on va en sortir, on a une clé. Nous avons une clé. Je trouve que les tapisseries sont bien foutues. Moi, franchement. Je sais plus si on peut aller. Mais je vais essayer de voir si on peut aller à la cheminée là-bas, mais je crois pas. De toute façon, il n'y a rien à prendre. Moi, franchement, je pourrais rester posé comme ça un petit moment. Rien qu'à regarder comment c'est fait. Parce que les détails sont vraiment bien faits. Il n'y a rien à dire. Les bruits sonores sont. Je vais faire que de vous parler de Kenji Eno, je pense, mais je suis obligé. Kenji Eno, donc c'est vraiment, c'est la personne qui a. Alors, ah, je me suis trompé. Qui a. C'est lui qui a créé le studio Warp, donc qui est à l'origine de ce jeu. C'est lui en fait le chef, le PDG. Mais c'est en plus, c'est lui qui a écrit l'histoire, enfin, même s'il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais il est aussi, c'est aussi un musicien de grand talent, un grand compositeur japonais. Et c'est à lui qu'on doit cette musique, ces bruitages, cette ambiance sonore tout simplement de ce jeu. Tout de suite parce que ah non c'est pas ça que je voulais faire non je vais pas vous en parler tout de suite parce que si vous voulez alors je vous montre c'est bon on a le temps ça cet objet il est très important dans le jeu mais je vais vous en parler plus tard mais je pense pas que j'en aurais besoin j'aurais besoin de finir alors du coup là il nous faut passer dans notre pièce. Pourquoi? Alors déjà, attendez, je crois que on peut faire déclencher. Il n'y a pas quelque chose. Ah si, voilà, c'est ça. Laura. Laura. To return to your own world. Do you understand, Laura? Du calme, Laura, du calme. Mais qu'est-ce qu'il nous dit son père en fait? Il me dit, vite, il faut que tu partes, Laura. Tu ne peux pas m'arrêter. Quitte l'hôpital tout de suite. Voilà, j'ai eu. Donc, en fait, au fur
fur et à mesure, on va voir que son père est de plus en plus. Merde, je trouve plus le mot. Qu'est-ce que je veux dire? Bref. C'est pas grave. Là, en fait, si vous placez le bouquin, là où il y a une petite place. Là, on se sent d'autant plus enfermé. Bon, eh bien, le disque 1 est terminé. Et notre seconde partie du Let's Play. Sur D se termine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Et ben moi, je vous retrouve très prochainement pour la troisième partie du Let's Play. Allez, passez une bonne nuit. Et surtout à la prochaine.